Carlos Magno Rodriguez est un artiste brésilien originaire de Belo Horizonte dans l'état du Minas Gerais. Diplômé en art et cinéma d'animation de l'école d'art de cet état, il travaille essentiellement dans le domaine de l'art vidéo. Depuis 1994, il crée des œuvres narratives expérimentales dans lesquelles il pratique collage, juxtaposition de signes, personnages extravagants, images saturées, développant ainsi un style narratif très personnel, innovant, provoquant et surréaliste. L'ironie est toujours présente et bientôt devient très critique au fur et à mesure que son engagement politique en fait un artiste lanceur d'alerte qui s'attaque aussi bien à l'impérialisme américain qu'aux religions établies. Il dirige aujourd'hui le festival BH Timeline, dédié aux vidéos expérimentales à Belo Horizonte. L'œuvre vidéographique de Carlos Magno Rodriguez est une longue suite de séquences, ou de scènes comme il les nomme. Dans Marc Davy, une vidéo réalisée en 2019, qui tient son titre du nom d'un ami artiste qui par ailleurs joue son propre rôle, on trouve tous les ingrédients habituels de l'artiste, propres à son langage, des personnages exagérément démonstratifs, qui déclament des textes poétiques, politiques ou amoureux, des révolutionnaires ou des religieuses armées de Kalachnikov, des femmes, des enfants, tous grimés et représentant des membres de différentes couches sociales. À l'image, les acteurs côtoient des textes mis en scène, le tout sur une bande son bouillonnante. De mystérieux chiffres viennent ponctuer les plans sans que l'on puisse leur attribuer un sens particulier. Carlos Magno Rodriguez s'appuie sur la complicité de sa tribu, ses enfants, sa femme, ses amis, pour développer une œuvre engagée et baroque.